Bonjour, ici Véronique. Je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle capsule vidéo pour vous présenter comment je fabrique les fleurs Wild Rose avec les produits de la compagnie Orphel Creation. Ce sont de magnifiques roses, des roses sauvages, qu'on arrive à créer en un tour de main avec les produits que je vais vous présenter. Allons-y sans plus tarder. Je débute toujours en vous présentant le produit, le papier Deluxe Flower Shipping Paper. Ça, c'est vraiment un papier qui est idéal pour la confection des fleurs. Il y a une belle texture, il y a une belle épaisseur. C'est vraiment là, mon papier de prédilection. Alors, si j'en ai une feuille, un carton avec moi. Aujourd'hui, on va travailler comme avec la collection Wild Rose. La collection Wild Rose vient en deux grosseurs. On a le large et le small. Aujourd'hui, je vais travailler avec le large, mais c'est vraiment le même principe qu'on utilise un ou l'autre des produits. Donc, au niveau du large, on peut voir qu'il y a quand même deux fleurs et une pétale qu'on peut tout simplement étamper sur notre feuille. On fixe nos étampes sur un bloc d'acrylique. Aujourd'hui, je vais utiliser la couleur Pink Peony de Archival Ink. C'est une encre permanente, donc on n'aura pas d'effet watercolor avec cette encre-là. Et je viens étamper mes fleurs sur mon carton. Pour réaliser cette fleur-là, j'ai vraiment mis trois épaisseurs de fleurs, donc je vais la réétamper trois fois de suite. Il y a aussi une feuille que je vais étamper avec la couleur Fern Green, toujours avec de l'encre archival. Alors, je vais découper. Ma feuille. Maintenant, je vais colorer mes fleurs. Je vais utiliser l'Archival Ink Sunflower et mon outil de coloration préféré. J'encre légèrement. Et je vais juste donner une petite coloration jaune au centre, au cœur de ma fleur. Voilà, comme ça, simplement le centre. Pour mes fleurs, je vais y aller avec la même couleur que celle que j'ai utilisée pour étamper. Comme on peut voir, c'est une technique qui nous permet de colorer de façon très rapide nos éléments. Voilà. Maintenant, avec mes fleurs, il y avait des matrices de découpe, qu'on appelle plus communément des dies. Alors, je vais positionner mes dies sur mes étampes afin de les découper. On n'a qu'à les positionner correctement. Et après ça, on fixe avec un petit peu de papier collant. Ça, c'était pour ma plus grosse. Et ici, je vais y aller avec la plus petite des deux. Je vais également me prendre un petit peu de washi tape pour découper une feuille.
comme ça. Et je vais venir placer le tout sur mes plaques d'amassage. Je passe mes plaques dans ma machine de découpe. Et je recommence le tout trois fois, là, vraiment, pour chacune des fleurs que j'ai ici et pour les pétales. Vous voyez, ça me donne une fleur qui est parfaitement bien découpée. Voilà. Bon, alors maintenant, mes trois fleurs de chaque grandeur sont découpées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder au coloriage. J'avais déjà coloré un petit peu avec du jaune. Mais maintenant, je vais venir ajouter une petite touche de pink peony, la couleur qu'on a utilisée pour faire les tampages. Pour faire ça, je vais utiliser un dauber de Artfell Creation. Qu'est-ce que j'aime beaucoup ces daubers-là? C'est qu'ils sont vraiment pointus. Donc, ils nous permettent de faire d'aller dans des petits endroits que les autres daubers ne nous permettent pas nécessairement de faire. Donc, je vais commencer par ancrer le tour de chaque pétale, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais, avec le bout du dauber, je vais venir faire des petites lignes. Comme pour accentuer un peu les plis naturels que ma fleur va avoir tout à l'heure. Vous voyez le principe? Alors, je refais la même chose pour chacun des pétales. Pour mes feuilles, je vais y aller avec la même couleur que pour l'étampage, le fern green. Et je vais tout simplement ancrer de façon plus prononcée le contour de la feuille. Comme ça. Là, je vais le faire pour les autres feuilles que j'ai avec moi. Donc maintenant, mes pétales sont toutes colorées. On va procéder au moulage avec le moule coordonné dans la collection Wildflower. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement que je vais mettre les pétales face vers le bas dans mon moule. Voilà. Et je vais vaporiser un peu d'eau dessus. Ah, je vais mettre les feuilles en même temps. Trois feuilles. Et je vais vaporiser un peu d'eau dessus. Pour économiser du temps, on peut également venir superposer, pardon, les pétales. On peut en mettre deux d'épais. Trois, ça fait un petit peu trop épais, là, mais deux, ça fonctionne quand même super bien. On remet un peu d'eau. Et je ferme mon moule. J'appuie quand même assez fermement. Et je vais insérer mon moule dans mes plaques d'embossage et je vais passer le tout dans ma machine à embosser. Une fois que mon moule est sorti de ma machine, on peut voir tout de suite que mes pétales ont déjà une super belle forme, tout ondulée. Alors, celles qui étaient deux par deux, je les sépare. Et voilà les formes des pétales déjà toutes pré-moulées, pré-formées. C'est vraiment, les moules, c'est vraiment un outil qui nous permet d'économiser extrêmement de temps quand vient le temps de faire des fleurs à la main. Ça fait le trois quarts du travail pour nous. Donc, je vais terminer la dernière qui me manque pour procéder à la confection de mes fleurs. Maintenant, je vais utiliser le Deluxe Flower Shaping Kit
pour m'aider à mouler mes fleurs, à terminer leur finition. Je vais prendre l'outil ici, avec un bout, l'avant-dernier, qui se trouve à être celui de 8 mm. Là, je vais utiliser un petit papier essuie-tout, tout simplement parce que je ne veux pas que l'encre tâche mes tapis. Des fois, l'encre tâche un petit peu les tapis, alors je préfère ne pas les briser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement venir appuyer sur le centre de ma fleur pour venir l'arrondir un petit peu. Et avec un outil piquant, je vais venir faire un trou au centre. Voilà. Alors, je procède comme ça pour chacune des fleurs. Je ne me gêne pas, je peux peser. Plus je vais peser, plus ma fleur va rondir vers le haut. Et je fais un trou au centre. Continuer comme ça. Et je fais un petit trou au centre de ma fleur. Voilà. Là, il me reste à insérer les étamines au centre de la fleur. L'idéal pour faire ça, c'est quand on utilise vraiment un petit bout de fil de métal qu'on replie en deux et qu'on va utiliser pour insérer les étamines au centre. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé deux sortes d'étamines. La première, la dorée, vient du rose, du kit Rose Hip Stamen Large. Celui-là ici. J'en prends une. Comme vous pouvez voir, elle est différente. C'est parce que sur celle-là, j'ai été mettre du glitter dessus. Du petit brillant. J'ai pris du Crystal Clear. En fait, comment j'ai procédé? J'ai tout simplement pris de la colle blanche. Et j'en ai mis sur le bout de mon étamine. J'ai tapoté un petit peu avec mon doigt pour uniformiser la colle. Et j'ai roulé le tout dans les brillants. Ça me donne une belle étamine avec un fini un peu plus brillant. C'est comme ça que j'ai procédé. Les autres étamines que j'ai utilisées proviennent du Rock Candy Small. Ce sont des petites étamines qui ressemblent à des cristaux de sucre. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre autour. Là, on ne se gêne pas. On peut en mettre une bonne quantité. Je crois que j'avais choisi 10 étamines pour cette grosseur de fleur-là, qui n'est pas ma plus grosse. La plus grosse est ici. Celle-là, c'est comme la deuxième plus grosse. Que je vais replier en deux sur mon fil de métal pour me donner un beau petit bouquet d'étamines. Je vais venir porter au centre ma plus grosse que je viens de mettre, sur laquelle je viens de mettre du brillant. Et je vais y aller, je vais choisir celle-là. Je vais insérer à l'intérieur les petits fils de métal. Avant de la serrer comme il faut en tirant mes étamines, je vais essayer de les disposer là pour qu'ils soient un petit peu tout le tour. Et je vais tirer le tout. Vous voyez, c'est ça que ça donne. Ensuite, j'y vais avec la deuxième fleur. Pour que ça aille un petit peu plus vite aujourd'hui, je vais utiliser mon bon vieux fusil à colle chaude. Oups! Plus de colle. Alors, mon fusil à colle chaude et je vais mettre une touche de une goutte de colle chaude au centre. Comme ça, la fleur va tenir plus rapidement. Je peux utiliser de la colle blanche aussi, là, il n'y a pas de problème. C'est juste quand je suis un petit peu plus pressée, là, la colle chaude vient sceller le tout plus rapidement. Voilà.
et ma troisième pétale. Colle chaude. Et on remonte le tout. On essaie de la placer pour que la pétale soit au bon endroit. Et voilà. J'ai remonté le tout pour me donner ma fleur. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. J'ai une magnifique fleur ici. Alors, je peux faire tout simplement le même procédé avec la plus grosse qui va donner une fleur comme ça. Et je peux venir avec un fusil à colle chaude, coller une pétale, une feuille, pardon, sous ma fleur. Je peux en coller deux si je désire, si je trouve que ça fait plus beau, ou je peux attendre de voir quel montage que je vais faire avec tout ça. Mais voilà. J'ai donc collé mes feuilles sous ma fleur. Ce qui est beau dans le kit de Wild Rose, c'est que là, je viens de travailler avec le plus gros kit. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a le Small Wild Rose qui a lui aussi une planchette, un moule pour vraiment faire des fleurs un petit peu plus petites que celles que je viens de vous présenter. C'est quand même bien parce qu'on peut réussir à faire des fleurs qui sont plus petites. Ça, on peut voir là, ici, là, ça c'est les deux qu'on peut faire avec le kit plus gros, puis ça c'est les autres qu'on peut faire avec le kit. Vous pouvez voir ici, j'ai vraiment échangé les étamines. J'en ai mis des différentes. Celle-là, j'ai mis seulement celle qui était du kit de Rock Candy. Et pour celle-là ici, je suis allée avec les étamines roses qui viennent du kit Assorted Pearl Medium. Donc, ça nous permet, les deux kits ensemble, de faire des fleurs de différentes grosseurs, allant de la plus grosse jusqu'à la plus petite. J'ai toujours mis trois couches d'épaisseur, trois pétales d'épaisseur pour mes fleurs, sauf pour les deux plus petites, là, où je trouvais que trois, ça faisait un petit peu trop. Donc, eux, ils ont seulement deux épaisseurs au niveau des pétales. Alors voilà, c'était ma présentation pour vous expliquer comment on peut faire des fleurs en utilisant les kits Wild Rose de Earthfell Creation. À bientôt pour une autre petite chronique!